Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Alors aujourd'hui, je fais le tirage des énergies du mois de décembre 2018 pour le signe du Scorpion. Donc bienvenue les Scorpions, bienvenue à vous les autres signes également. Comme vous le voyez, nous sommes déjà arrivés près des festivités. Alors, ça sera la fête de Noël bientôt. Donc, pour ceux qui célèbrent cette fête, je vous souhaite de passer de très beaux moments avec vos amis et votre famille. Donc, avant de commencer, je rappelle à nouveau, comme dans toutes les vidéos, que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général et que c'est possible que ça ne résonne pas avec tout le monde. Donc, je vous conseille d'aller voir le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également. Et pour ceux qui sont intéressés à avoir un tirage personnalisé, vous pouvez le faire en me contactant à l'adresse courriel qui apparaît à la barre d'infos. Donc, levoyagedeliakim@commercial.gmail.com. Et pour le mois de décembre, j'offre un cadeau à tous ceux et celles qui me feront la demande d'un tirage personnalisé de deux questions. Vous pourrez l'obtenir au prix d'une question. Et pour ceux qui feront une demande de tirage personnalisé à trois questions, vous pourrez l'obtenir au prix de deux questions. Donc, c'est un cadeau que vous pouvez vous offrir pour la période des fêtes ou vous pouvez l'offrir à quelqu'un d'autre également. Donc, si vous savez pas, vous ne savez pas quoi offrir à quelqu'un, mais ce sera peut-être quelque chose qui fera plaisir aux membres de votre famille ou vos amis. Donc voilà pour la promotion de Noël, des fêtes. Alors on va commencer tout de suite avec le tirage pour vous les Scorpions. Donc pour vous les Scorpions qui êtes quelqu'un, des gens qui sont bien engagés au niveau du travail, mais le tirage me parle beaucoup de travail ici. Alors on va commencer. Soyez conscient, comme je l'ai dit à plusieurs, dans plusieurs vidéos précédentes, que parfois les tirages peuvent sembler négatifs à première vue, mais dépendamment de ce que vous allez faire, désolé, avec les informations reçues, bien c'est vous qui détenez la clé de votre destinée et vous avez toujours la possibilité de choisir de renverser la vapeur, de changer les choses pour vous. D'accord? Donc, ce ne sont pas des tirages de fatalité, ce sont des tirages de probabilité qui vous renseignent sur l'issue d'une situation si vous persistez dans cette voie, mais vous avez toujours la possibilité de changer le cours des choses. Alors, on commence avec la reine d'épée. Donc, vous allez probablement prendre une décision concernant votre travail au mois de décembre, d'accord? Et souvent, la reine d'épée, elle, c'est quelqu'un qui... c'est un personnage qui tranche rapidement et... donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez trancher, vous allez avec votre tête plutôt qu'avec votre cœur. Donc, peut-être que la décision, vous allez prendre une décision très rapide, sans observer toutes les facettes. Hein. Vous allez décider avec votre tête et vous allez trancher et vous allez décider que c'est ce que vous voulez. D'accord? Mais on voit que cette décision va être peut-être en rapport justement avec votre travail et que vous cherchez de nouvelles expériences. Et vous serez peut-être appelé. C'est une décision qui est prise très, très rapidement et vous allez peut-être être appelé à voyager dans le cadre de votre travail et peut-être même outre-mer. Donc, c'est quelque chose qui va vous emmener assez loin de votre lieu de résidence. Donc, vous n'allez pas hésiter, vous allez aller de l'avant et très rapidement dans cette décision-là pour de nouvelles aventures au niveau travail. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, désolée. Et ensuite, on a la carte du battleur ou du magicien. Alors, ça sera un nouveau départ pour vous, hein, c'est clair.
Et vous aurez la flexibilité nécessaire pour accomplir ce travail-là. Vous allez vous mettre disponible. On va peut-être même également vous donner carte blanche dans ce travail-là. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse justement parce qu'on vous donne carte blanche et parce qu'on a confiance en vous. Et vous allez réussir à en surprendre plus d'un. D'accord? Donc, c'est le pouvoir du magicien, hein? Vous allez éblouir la galerie, épater la galerie. Ensuite, on a le valet de bâton qui se présente pour vous. Donc, on voit avec cette carte que vous n'avez pas peur de la nouveauté et que vous foncez dans ce nouveau défi, hein. C'est vraiment l'essence de votre tirage. Vous allez foncer, vous allez aller très rapidement, prendre une décision rapide et vous n'avez pas peur de ce défi-là. Vous avez des idées uniques qui vont vous démarquer des autres et c'est ce qui attire les gens. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez, qu'on va vous offrir peut-être quelque chose, une possibilité de carrière justement à l'étranger ou un peu plus loin de votre lieu de résidence. Donc, vous démarquez des autres. Ensuite, on a la carte de la roue de fortune. Vous aurez la chance de faire valoir justement ces idées-là. La roue de fortune, c'est la carte des opportunités, la carte de toutes les possibilités, hein. Vous avez le choix de faire tourner la roue vers le haut, vers le bas, de rester stagnant. Alors, c'est vraiment la carte qui vous parle des opportunités, de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Et c'est ce que vous faites. Et les idées qui font que vous vous démarquez des autres, mais vous allez être capable de les faire valoir. Vous avez une grande opportunité devant vous, puis c'est à vous de décider ce que vous allez faire avec. D'accord? Par contre, ici, je vois qu'il y aura peut-être une période de doute arrivée à un certain point. Peut-être que je vous dirais de faire attention de ne pas tout perdre à cause de vos doutes et de votre manque de confiance en vous ou en la décision que vous avez prise, hein. Peut-être que vraiment vous avez pris une décision trop rapide. Ici, là, on voit vraiment une période de doute, hein. L'étoile inversée. C'est ce que ça nous dit, là. Vous allez avoir une période où vous allez vous remettre en question par rapport à votre travail, par rapport à la décision que vous avez prise, peut-être trop rapidement. On le voit ici aussi avec le soleil inversé, parce que si vous ne faites pas attention, là, quand je vous dis tantôt avec l'étoile inversée, de faire attention de ne pas tout perdre à cause de vos doutes ou de votre manque de confiance, bien, si vous ne faites pas attention, vous risquez l'échec, hein? Ici, avec le valet de bâton et la roue de fortune, où on voyait que vous vous démarquez, que c'est ce qui fait que vos patrons ont vu en vous quelque chose d'unique et vous ont offert cette opportunité-là, bien, vous risquez de tout perdre si vous perdez la confiance en vous et en votre projet. D'accord? Donc, ne restez pas avec l'étoile inversée, là, votre période de doute. C'est normal d'avoir cette période-là, mais c'est à vous de voir justement avec la roue de fortune ce que vous allez faire avec ce projet. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui répond à vos besoins ou non? Mais sachez et soyez conscient que si vous restez dans cette hésitation, dans ces doutes, vous risquez de perdre cette opportunité-là, d'accord? Et avec le soleil, bien peut-être que vous trouvez que les choses se sont passées beaucoup trop vite, que vous avez finalement, vous réalisez que vous avez pris la décision sur un coup de tête et vous n'avez pas pris le temps de réfléchir à ce que cela impliquait réellement, d'accord? Et avec le fou inversé, toujours,
bien, vous risquez d'agir de façon téméraire. Hein, autant que vous avez pris une décision très rapide ici pour cette nouvelle opportunité, autant ici, avec le fou inversé, vous allez peut-être faire le mauvais choix ou vous allez peut-être prendre une autre décision encore trop rapide et vous allez peut-être décider de laisser tomber cette opportunité-là. Donc, essayez de reprendre la situation en main. Vous avez beaucoup de possibilités. Mais si vraiment c'est quelque chose qui ne vous intéresse plus, ou si vous vous rendez compte que ça ne vous convient plus, vous êtes peut-être trop loin ou ce n'est pas quelque chose que vous voulez continuer à faire, bien, prenez la meilleure décision pour vous, mes chers scorpions, d'accord? Ne restez pas dans une situation de doute et de peine et de chagrin, d'accord? Donc, prenez la meilleure décision, faites le meilleur choix pour vous, mes chers scorpions, d'accord? On a également le roi de coupe, ici, pour terminer. Donc, je pense que vous allez regretter peut-être cette décision-là, parce que soit que vous allez regretter la décision du départ que vous avez prise au départ de partir, ou vous allez regretter la décision que vous allez prendre d'abandonner. Un ou l'autre, peu importe lequel, parce que pour certains d'entre vous, ça sera regretter la décision que vous avez prise au départ. Et pour certains autres, ce sera peut-être de regretter la décision d'avoir abandonné le projet. OK? Donc, vous allez vivre de très grandes émotions par rapport à tout ça. Peut-être une grande tristesse ou des moments de déprime. Mais, comme je vous dis, ce n'est jamais une fatalité, c'est à vous, vous êtes averti d'avance. Alors, si vous voyez qu'une situation se présente à vous, une possibilité de carrière ou d'emploi ou de changement de travail ou de voyager très loin pour aller travailler, bien, si ça se présente à vous, hein, comme je vous dis, vous avez la clé de votre destinée. Vous avez le choix et vous devez choisir vers quelle direction vous voulez aller. Est-ce que vous voulez faire tourner la roue vers le haut ou vers le bas ou stagner? Donc, si vous êtes averti à l'avance, mes chers amis, bien, quand vous allez voir cette opportunité-là arriver, demandez à ce qu'on vous laisse le temps de réfléchir à la situation et de mesurer l'ampleur de la décision que vous pouvez prendre. Donc, si vous avez, par exemple, une vie de famille, bien, asseyez-vous avec votre conjoint, vos enfants, et réfléchissez à la question, est-ce que ce travail-là qui vous est offert, c'est temporaire? Est-ce que on vous promet de vous ramener chez vous? Est-ce que si ce n'est pas temporaire, est-ce que vous acceptez de rester à long terme loin de votre résidence? Alors, c'est toutes des choses que vous devez considérer pour vous, mes chers scorpions, mais prenez le temps de réfléchir et demandez à ce qu'on vous laisse le temps de réfléchir à la proposition. D'accord? Alors, je vais vous tirer une carte des messages des anges, des archanges ou des maîtres ascensionnés pour vous aider peut-être à voir plus clair. Donc, je le fais un peu plus loin à cause du micro. Ça fait beaucoup de bruit. Je me suis rendu compte de ça. Donc, pour éviter de vous perturber les oreilles, je le fais un peu plus loin. Donc, un message, s'il vous plaît, pour le signe du scorpion pour le mois de décembre 2010. Merci, voilà. Alors, vous avez la carte de la visualisation créatrice. Donc, on vous dit, imaginez votre désir comme s'il faisait déjà partie de votre vie et sentez ses bienfaits et la joie qu'il vous apporte, puis remerciez l'univers pour ce cadeau. Alors, effectivement, ici, vous avez une opportunité et comme je vous dis, l'issue de ce tirage-là, c'est un peu de regret et de tristesse,
Mais si vous le savez d'avance, comme je vous ai dit tantôt, bien, imaginez, prenez le temps de réfléchir à la question. Et si c'est quelque chose qui vous appelle réellement, bien, prenez le temps d'imaginer votre désir comme s'il faisait déjà partie de votre vie. Et sentez les bienfaits et la joie qu'il vous apporte. Et également à l'inverse, puis remerciez l'univers pour ce cadeau. Et également à l'inverse, si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas finalement, bien, le désir de rester également, bien, imaginez-le aussi comme si ça fait déjà partie de votre vie et que vous sentez les bienfaits de ça. Donc, ne vous tapez pas sur la tête, peu importe la décision que vous prenez, mais prenez le temps de réfléchir. Je vous lis ce que le carnet en dit pour la visualisation créatrice. Alors, votre capacité à concentrer vos intentions sur votre désir détermine la puissance de l'énergie qu'il faudra pour qu'il se manifeste. Précisez votre désir tel une loupe se promenant sur votre œuvre pour corriger et améliorer tous les détails. Voyez-le comme s'il était déjà là dans votre vie. Sentez la sensation qu'il vous procure, les bienfaits qu'il vous apporte. Plus vous le sentirez présent dans votre vie en ayant de la gratitude, plus il sera rapide à se manifester. Vous êtes le co-créateur de votre vie par votre imagination, alors créez toujours votre idéal. D'accord? Donc, créez votre idéal à vous, pas l'idéal de quelqu'un d'autre. Alors, même si les autres vous voient à telle place, c'est vous finalement qui avez le choix, le choix final. Et je vous tire aussi une carte, une affirmation à vous répéter pour vous aider, vous guider ou vous éclairer dans votre choix. Pour le mois de décembre 2018, s'il vous plaît, une carte pour le scorpion. Voilà. Donc, vous avez justement la carte de la gratitude. Alors, on vous dit remerciez pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevrez encore plus de bienfaits. Alors, soyez dans la gratitude pour ce qu'on vous offre et si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. D'accord? Et peut-être que d'autres opportunités vont s'offrir à vous si vous décidez de ne pas aller de l'avant avec cette opportunité-là. Il y a d'autres choses qui vont se présenter à vous dans votre vie. Soyez confiant de ça. Je vous lis votre affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider. Donc, l'affirmation pour la gratitude. Alors, vous pouvez vous dire, aujourd'hui, je m'efforce de ressentir de la gratitude. Je dis merci d'avoir un lit, un toit au-dessus de ma tête, de l'eau courante, des vêtements, des chaussures, des amis et un pays. J'éprouve de la gratitude pour les oiseaux, l'herbe, les arbres et les fleurs. Je remercie encore et encore, et ma vie est épanouie et remplie de joie. Alors, voyez-vous, parfois on doit être dans la gratitude pour les simples choses qui sont autour de nous. Hein. Parfois on ne les voit pas, on veut toujours avoir plus, aller chercher plus. C'est correct, mais il faut être en premier reconnaissant pour ce qu'on a déjà dans notre vie et l'univers va se charger de nous envoyer encore plus. Alors voilà mes chers amis, c'était votre tirage pour vous les Scorpions pour le mois de décembre 2018. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a éclairé et qu'il vous aidera à prendre une bonne décision dans votre vie. Je vous rappelle la promotion des fêtes que je vous offre. Alors pour toutes les personnes qui me demanderont un tirage personnalisé à deux questions, vous l'aurez au prix d'une question et pour tous ceux qui le demandent, qui demandent un tirage personnalisé à trois questions, vous aurez votre tirage au prix de deux questions. Donc voilà pour vous le cadeau de Noël que je vous offre. En attendant, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre, de passer un très beau Noël, des belles fêtes entre amis, en famille et de passer un mois rempli d'amour, de joie, de paix et de lumière, mes chers amis. Donc, merci de m'avoir écouté.
N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager aussi la vidéo. Peut-être que ça pourra aider d'autres gens que vous connaissez. Et je vous dis au revoir. On se retrouve le mois prochain. Merci. Au revoir.